rapport commercial entre Haïti et la République dominicaine. C'est un rapport qui fait profit pays voisin alors que le pas rapporté Haïti trop bagaille. D'après économiste Jeremy, le pays d'Haïti, c'est marché qui pi important pour République dominicaine après États-Unis. Ça qui veut dire fermer frontières, c'est à un gros coup pour une série d'entrepreneurs dominicains qui exportaient presque seulement en Haïti. Ils ont profité de tensions capables de développer sous question canal rivière Massaclan pour nous retourner sous rapport commercial entre deux pays. À travers reportage ça, Mark Stanley l'éveillé, réalisé pour Caraïbes FM. Qualifié rapport commercial entre Haïti et République dominicaine. C'est une relation mi-womi-ba, économiste en cours Edzer Emile dit, son relation déséquilibrée. Chiffre sous transaction commerciale en deux pays ont montré ça clair, signe quoi économiste là. Commerce la fête, non seul sens. Ça veut dire gagner un monde qui a profité de lui, gagner un monde qui n'a pas profité de lui. Et monde qui a profité de lui, c'est ce domaine. Et c'est au cap vend, nous n'a pas acheté. En 2022, ce domaine qui vend à Haïti pour 1 milliard point. 20 millions de dollars, nous-mêmes, nous te vendons ce domaine pour seulement 12 millions de dollars. C'est comme si m'da dit, sous chaque 100 dollars commerce qui fait sous frontière de pays, ce domaine vend 99 dollars, nous vend bon dollars. Réalité ça, c'est pas produit en hasard. Sous côté mauvais politique, l'État nous a fait production nationale et Jeremy Lkwe, c'est résultat yon ensemble événement historique qui pas jamais sans conséquence sous production nationale là, mais qui fait profit République voisin qui toujours bien positionné pour le joindre avantage chaque événement ça ou parmi eux événement politique ak phénomène naturel. Un premier mouvement c'est domaine monté sous don on a fait commerce c'est pendant période coup d'état embargo 91-94. Dans mouvement ça j'étais profité pour vendre nous vu que nous t'ai un blocus Nations Unies OEA États-Unis nous pas de acheter et deuxième choc qui était en 2010 commerce a vienne monter sous nous encore à preuve de 2009 avant tremblement à 2011 après tremblement commerce Saint-Domingue voyait vendre Haïti augmenter de 60%. Même gens, pendant récemment là, pays a fait une grâce net, ils profitent en pile pour augmenter le commerce qui était dans une zone 800 millions de dollars. 5 ans de cela, je dis, qui dépassait 1 milliard de dollars. Chiffre sous commerce formel entre deux pays ont montré clair, Haïti c'est un marché important pour pays voisins. Même si Haïti pas premier partenaire commercial République Dominicaine dans ça qui gagne pour exportation, mais après États-Unis, Haïti c'est plus gros destination, yon latrier produit dominicain. Qui ça c'est domaine vend à l'étranger 13 millions de dollars. Ça veut dire que par Haïti à 1 milliard, ça revend total, c'est 13. Ça veut dire que Haïti représentait à peu près 8% de commerce que ce domaine gagne dans le monde. Qui vient fait que Haïti, c'est le deuxième marché qui est plus important pour ce domaine après États-Unis. Alors, ce qui Haïti importé en pile dans la République dominicaine, chiffre sous exportation sorti Haïti pour traverser frontières a montré pas de trop produits qui sortent dans le pays pour aller République dominicaine comparé à chiffre dominicain. Ils vendent des produits qui fait à coton, des produits qui fait à plastique, ils vendent nos produits alimentaires, ils vendent nos faits, ils vendent nos ciments, ils vendent nos céréales, farine, épices, papier. Non seulement cité 8 catégories qui beaucoup plus important yo dans ça yo vendre non. Nous même qui ça nous vendre yo. Nous va vendre grand chose. 2-3 packs industriels que ce soit Côte d'Ivoire qui là sous frontière et de l'autre encore, là au fin produit slip maillot chemisette comme nous bagne assez appareil technologie pour nous finir yo. Nous on voyer au ce domaine fini yo pour nous mettre dans ça achever et vendre États-Unis. Non, sans ça pour économiste là, frontière haïtiano-dominicaine gagne une importance capitale pour pays voisin. D'ailleurs, et Jeremy Soulier gagne un latrier exportateur dominicain qui gagne Haïti comme seul marché pour vendre produits qui donc fait main frontière c'est un gros coup pour eux même si ça pas sans conséquence sur Haïti. Une grande équipe entreprise ces domaines qui dépendent en pile de l'exportation à Haïti et gouvernement dominicain pas de capacité pour résister avec ça. Donc nous avons exemple eux ces domaines vendent à Haïti 50 millions d'œufs par mois. Producteurs de ça a d'accord que vous ne pas vendre d'œufs à Haïti ça le faravel. Et surtout que nous connaissons une quantité de produits, c'est domaine à vendre, c'est sur l'Haïti ou qu'à vendre. Bah, moi, je dis ça, il y a des rapports qui clairent sur ça, sur des produits comme viande, pour une équipe de bagaille. Alors, souligner, déjà, il y a plusieurs associations producteurs dans la République dominicaine qui commençaient à baisser prix produits ça, quelques jours après marché binational là, dans la frontière ville Guanamet avec Darabon fermé, ça qui réduit quantité de monde zé dominicain, d'après le journal Diario Libre. Mark Stanley, l'éveillé, Caraïbes FM.